Ajouter seulement deux lettres à Paris, et c'est le paradis, m'a-t-on dit. Pourtant, ce personnage qu'est Paris est loin d'être au paradis. Il est tout sauf un ange. Mesdames, messieurs les jurés, cher auditoire, Ménélas m'envoie devant vous pour attaquer Paris. Paris, injugé, se rit de nous. Jetons sur lui le déshonneur qu'il mérite. Avant toute chose, permettez-moi de revenir sur les faits. D'un côté, nous avons mon client, Ménélas, le fidèle et bon mari d'Hélène. De l'autre, Paris, ce porc, que d'ailleurs aujourd'hui nous aurions balancé, qui est venu la capturer à Sparte, alors que Ménélas l'avait dignement accueillie, et ce, pour la ramener chez lui à Troie, afin de lui faire subir des... Face à cet acte, mon client et le reste des Achéens n'ont d'autre choix que de déclarer la guerre aux Troyens, afin de récupérer la sublime Hélène. Bilan, chiffre, 150. 150 Troyens tués à la guerre. 44. 44 Achéens morts au combat. 10. 10 ans d'hostilité et une seule personne en cause de tous ces sacrifices. Mon cher Paris. Alors s'il fallait citer pénalement les infractions de Paris, contrainte, séquestration, enlèvement, appropriation illégitime, violation de domicile, escroquerie, filouterie de berge, incitation à la guerre, blanchiment de personnes, recel d'êtres humains, obtention frauduleuse d'une femme, atteinte astucieuse aux intérêts d'une majesté, et très probablement acte d'ordre sexuel illégitime, contrainte sexuelle et peut-être même viol. Waouh! Bon, je vous vois venir, vous me rétorquerez qu'il y a concours article 49 du code pénal et donc que sa peine ne dépassera pas plus de la moitié du maximum de la peine prévue pour l'infraction la plus grave qui sera retenue et qu'en outre le juge est lié par le maximum légal du genre de chaque peine. Mais mon exercice ce soir n'est pas de fixer un verdict de culpabilité. Paris est aujourd'hui décédé par une flèche de Philoctète, expie en héros aux Champs-Élysées, dans le plus joyeux des acquittements, un crime qu'il a pourtant commis. Mon devoir est simplement de parler, et c'est à vous, cher auditoire, que je lancerai ces paroles, de toute la force de ma révolte, pour qu'enfin Paris ait la réprobation publique qu'il mérite, face à 1, son choix, 2, son acte sur Hélène, et à plus forte raison, 3, sa trahison envers mon client Ménélas. Si c'est par ma parole que se fera son procès, c'est par votre opinion que sera prononcée sa déchéance, qu'il subisse enfin la vindicte populaire qu'il mérite. Bon alors déjà, il y a une première affaire qui me chagrine. Je vous brosse le tableau. On est sur le mont Ida. Paris doit désigner la plus belle de trois déesses. Pour le convaincre de les choisir, Athéna, déesse de la sagesse et de la stratégie militaire, lui promet la victoire à la guerre. Héra, déesse du mariage et donc de l'ennui, lui propose le pouvoir royal et Aphrodite, déesse de l'amour et du sexe, lui offre d'ensorceler Hélène, la plus belle femme au monde, pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Bien entendu, il choisit le sexe. Bon alors avant tout, plus belle femme au monde, je vous avoue que je peine à accorder valeur probante à ces allégations quand je vois la beauté des jurés. Ah, le jugement de Paris. Quelle erreur. Et quel juge. Si seulement c'était un arbitre aussi pur et ingénu que les jurés que nous avons ce soir. Ben oui, on lui propose le poste de roi. Ou encore, la victoire des siens au combat. Mais non, non, cet obsédé a un autre projet. Il préfère opter pour l'amère luxure, cause de tous les maux. Alors qu'il sait Hélène mariée à mon client. Donc, Paris abandonne les siens pour une femme. Trahison ! Il sait Hélène mariée à Ménélas. Adultère ! Il le fait alors qu'Hélène est sous l'emprise du GHB divin d'Aphrodite. Viol !
Le verdict est sans appel. Paris est d'abord coupable en son choix. Maintenant, si vous le voulez bien, passons à son acte. L'acte, c'est la contrainte. La contrainte est illicite, la contrainte est physique. Paris enlève de force Hélène à Sparte, et cette simple barbarie, ce mépris de la loi, cette injuste violence, mérite à elle seule d'être condamnée. Et à supposer que la contrainte n'est pas physique, elle est en tout cas psychique, puisqu'Hélène est à tout le moins persuadée par les discours de Paris. Ce manipulateur, séducteur d'Hélène, use de ses paroles, paroles dont tout le monde le sait, la parure peut être un tyran puissant lorsqu'elle est utilisée à mauvais escient, puisqu'elle peut tenir sous le charme et persuader quiconque, même le plus incrédule et le plus méfiant des hommes, pourvu que ses paroles soient belles. Et je sais de quoi je parle, c'est comme ça que je ramène des femmes chez moi les samedis soirs. C'est pourquoi l'auteur d'une telle manipulation, qu'elle soit physique ou éloquente, ne peut qu'être coupable en tant qu'il est cause de contrainte. Mais après tout, Paris est un héros. Il emmène Hélène à Sparte. Paris dévoué. Il tue Achille au combat. Paris guerrier. En somme, il n'hésite pas à déclencher la dispute. Paris bonhomme. Mais après tout, c'est quelqu'un qui aime le luxe, le confort et le superficiel. Paris Hilton. Il affronte Ménélas et se fait terrasser. Paris courageux. Il meurt par une flèche de Philoctète. Paris demi-dieu. Il n'en est rien. Ce qui m'amène à mon troisième point, la trahison envers mon client. En effet, Paris n'est pas un héros, mais qu'un criminel qui a gravement violé, non pas le code pénal, le code civil ou le code des obligations, ou un quelconque incoterm, mais une obligation digne, à laquelle nul homme honorable ne se conforme pas, j'ai nommé les lois fondamentales de l'hospitalité. Ménélas l'accueille chez lui, il lui sert à manger et à boire, le fait dormir dans son palais, l'introduit à ses comparses, lui présente sa propre femme, et quand mon client s'absente pour les obsèques de son propre papa, Paris, ou le pusillanime, ou le froussard, le turpide, le pétochard, l'intrépide, le couard, l'embusqué, la poule mouillée, le dégonflé, le demi-sel, le peureux, le répulsif, le pleutre, le guerrier de piètre valeur, ne trouve rien d'autre à faire que de se farcir Hélène. Mais ne vous y trompez pas. J'aurais pu aussi m'adonner à l'exercice facile d'attaquer Ménélas. Car lui aussi est en tort et coupable. Coupable d'être un homme trop bon et trop correct pour avoir fait confiance à Paris. Il aurait dû savoir que c'est de la confiance que naît la trahison. Mais Ménélas est trop juste et trop honorable pour ça. Mon client Ménélas a souffert de tous les maux. S'apitoyant sur son sort, il doit d'abord tolérer le fait que, peut-être, son palais ne suffit pas au goût d'Hélène ou qu'elle y préfère le lit d'un étranger. Mais mon client mène une guerre pour récupérer sa femme. Et au combat, il en souffre d'immondices. Il voit frères et fils bassinés de sang. Et toutes ces blessures qu'il subit, ses sacrifices, ses cassures, ses sévices, il ne les doit qu'à Paris. Paris a échappé belle à la vindicte populaire. Pourtant, son nom mérite d'être détesté, haï et traîné dans la boue. Bon, vous me direz, on a fait de son nom Paris, ou plutôt Paris, la capitale d'un peuple exécrable, nos chers voisins français. Mais tout de même, est-ce suffisant? Cet homme est une bactérie pour l'Antiquité, un virus, ou pire encore, un cheval de Troie. Alors oui, il a succombé sous la lance des Grecs. Mais les écrits laissent à croire que Paris est mort un homme brave et courageux. Pourtant, les faits sur lesquels repose la trahison que Paris a faite à mon client, la légende, la mythologie, sont réels. La mémoire, elle, est fictive, puisqu'elle a érigé Paris en brave homme. L'histoire a biaisé la pensée, et si vous nommez mon client vainqueur ce soir et par ce biais condamnez Paris, c'est vous, honorable juré, qui rétablirez l'histoire telle qu'elle doit être pensée. Si en revanche vous acquittez Paris, alors je considérerai que pour vous, la luxure, le viol et la trahison sont des comportements normaux. Si par contre vous... Je devrais peut-être arrêter avec les si parce que avec les si, on mettrait Paris en bouteille. Ces derniers jours,
lorsque je préparais ma plaidoirie, je me suis sans cesse posé la question. Serez-vous assez héroïque pour prononcer une condamnation éternelle sur Paris? Serez-vous assez juriste pour avoir le courage d'affronter l'opinion comme je suis en train de l'affronter depuis 10 minutes? Je n'en ai pas le moindre doute. Mesdames, messieurs les jurés, mon cher auditoire, n'oubliez pas, le sort d'un génie du mal est entre vos mains. Monsieur le procureur, madame, monsieur le juge, chers jurés, chers confrères, chers publics, oubliez l'accusation. Par pitié, oubliez l'accusation. Et laissez-vous emporter par ce que je vais vous raconter. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme, Paris, prince et fils de Priam, roi de Troie. Paris est, sachez-le, une victime innocente. Une victime innocente qui est accusée à tort d'être à l'origine d'une guerre violente. Accusé à tort d'avoir enlevé Hélène, femme de Ménéas, roi de Sparte. C'est l'histoire, messieurs, dames, de l'amour et de la politique qui s'entremêlent. C'est l'histoire, en réalité, de deux ennemis puissants qui, malheureusement, ne peuvent que mener à des étincelles. Alors, amour ou politique, qui doit primer? C'est la question que je vous pose. La réponse, bien évidemment. La réponse qui s'impose d'elle-même, c'est l'amour. L'amour, car l'amour est au cœur de l'existence de l'homme. L'homme qui recherche à aimer et à être aimé. Paris, dont l'amour sincère pour Hélène ne peut être contesté, est un homme qui ne fait qu'obéir à sa destinée. Il ne fait qu'obéir à la promesse d'Aphrodite de lui offrir l'amour d'Hélène. À l'amour, cher public, s'oppose la guerre. De tout temps, les hommes ne cessent de s'entretuer, écraser pour mieux régner, se battre et se déchirer. Les hommes rêvent de saisir ne serait-ce qu'un soupçon de pouvoir. Dans la cause que je défends aujourd'hui, cette soif de guerre n'est autre qu'illustrée par le serment de Pindare, en tout cas c'est ce prétend être un serment, serment qui oblige tous les prétendants d'Hélène à combattre en cas d'outrage à Ménélas. Aujourd'hui, j'accuse Ménélas, roi de Sparte, et mari d'Hélène, qui, par facilité, condamne tout un peuple pour l'acte d'un seul homme. J'accuse Ménélas d'être le seul et l'unique responsable de la guerre. Bien évidemment, Paris, aujourd'hui, clame son innocence. Cet homme, depuis tout temps, subit un destin tragique. Tout commence par les noces de Pélée et Thétis sur l'Olympe, où seule Eris, déesse de la discorde, n'est pas invitée. Pour se venger, elle jette la pomme de discorde avec pour mention à la plus belle. Héra, Athéna et Aphrodite revendiquent le fruit, chacune d'entre elles se considérant être la plus belle. Zeus qui n'en peut plus, Zeus qui ne sait plus quoi faire pour mettre un terme au conflit, va confier la lourde tâche à Paris, un simple mortel, de désigner la gagnante. Paris offre la pomme à Aphrodite, qui lui promet l'amour d'Hélène. Un choix aux répercussions inévitables sur son avenir. Un choix qui l'oblige à enlever Hélène. Un choix qui entraîne Ménélas à riposter. Des faits qui, cher public, ont tous leur importance dans la défense de Paris. Le profil de Paris dressé par l'accusation est un mensonge. Un mensonge sur ce qu'il est au plus profond de lui-même. Décrit, comme je cite, et décrit par la plupart, comme un Paris de malheur, un belâtre, un coureur de femmes, tout porte à croire que Paris est un homme mauvais, que Paris est un homme superficiel, responsable de la guerre. Pourtant, mesdames, messieurs, la vérité est toute différente. Zeus, en désignant Paris comme arbitre dans le conflit opposant les déesses Héra, Athéna et Aphrodite, accorde sa confiance à un homme intègre, à un être sensible à l'amour. Paris est un homme de valeur,
Paris n'octroie pas la pomme de discorde à Hera, qui lui offre victoire dans toutes les guerres. Paris écarte Athéna, qui lui promet richesse et pouvoir. Paris est un héros romantique qui fait le choix de l'amour. L'amour, la vertu la plus noble qui soit au monde. Pouvons-nous reprocher la décision de Paris ? Messieurs, imaginez-vous 2 minutes à sa place. Non, sincèrement, imaginez-vous à sa place. Auriez-vous pu résister à l'amour ? Dans l'incapacité de s'opposer au cadeau d'Aphrodite, Paris ne peut refuser l'amour d'Hélène. Il ne peut violer la loi divine. C'est ce qui le pousse à enlever sa promise. Enlèvement légitimé par la promesse divine. Je me dois de dire quelques mots sur Ménélas. Ménélas, mari bafoué, sa souffrance ne peut être niée. Et c'est sincère ce que je veux dire, Paris compatit à sa douleur. Se sentir abandonné, se sentir humilié, se sentir trahi, est une épreuve difficile à surmonter. Malheureusement pour Ménélas, l'amour entre Paris et Hélène est plus fort et plus puissant que tout. Paris, beau et séduisant, considéré comme un homme à femme, ne l'oubliez pas, n'en reste pas moins un être humain qui a la capacité d'aimer. Un être humain capable de tomber amoureux. Un être humain qui ouvre son cœur à Hélène. Consentante, Hélène, envoûtée par la passion, fuit la nuit avec Paris en emportant des richesses, abandonnant Ménélas, son mari, abandonnant sa fille Hermione, abandonnant ses parents. L'amour véritable, tel un tsunami, emporte tout sur son passage. La belle Hélène a, en toute conscience, quitté Ménélas pour suivre Paris, sans menace ni contrainte. Hélène, en fuyant avec Paris, exerce l'une des plus belles libertés de l'homme, le libre arbitre. L'enlèvement, qui est en réalité une fuite consentie, concrétise la promesse divine. Paris, n'obéissant qu'à son destin, il ne peut être reproché de s'être enfui avec Hélène. Je le répète, et sachez-le, et retenez, que Paris n'est pas responsable de cette tragédie. Le serment de Tindare l'est. Serment de Tindare, symbole de froideur, symbole de malheur, qui conduit à la souffrance, au bain de sang, à la barbarie. Ce serment n'est que petitesse d'esprit. Sachez qu'ici, nous sommes dans une histoire entre deux hommes et une femme. Une femme au cœur du conflit. Ce serment de Tindare n'a pas sa place ici. Ménélas a fait une erreur fatale. L'erreur fatale de ne pas proposer immédiatement à Paris un duel. C'est une affaire qui ne concerne que ces deux hommes. Ce n'est pas une affaire qui concerne la cité de Troie et qui a amené à saccager, à tuer des gens, à détruire des biens. Ménélas propose un duel, mais je vous le rappelle, il le propose au bout de presque 10 années de guerre. Rendez-vous compte, 10 années de guerre pour proposer un duel. À quoi ça sert? Quelle est l'utilité de proposer un duel au bout de 10 années? Ménélas, par sa réaction tardive, permet tout simplement à la guerre de faire son œuvre. Cœur de pierre, il importe peu à Ménélas de tuer, de faire souffrir des innocents. Sachez que le duel est trop tardif et le mal est fait. En déclarant la guerre à la cité de Troie, Ménélas s'attaque à Priam, roi de Troie, et à son peuple. Or, je vais vous rappeler un point essentiel. C'est Paris qui a agi, effectivement, qui s'est enfui avec Hélène, qui, aux yeux de Ménélas, a commis un outrage. Mais Paris n'est que prince. Paris n'est pas roi de Troie. Cruel,
sans scrupule, Ménélas s'en prend à Priam qui n'a pas personnellement enlevé Hélène. Égoïste, Ménélas n'hésite pas à sacrifier un peuple innocent. Il n'hésite pas à rendre responsable un roi pour un acte émanant d'un prince. L'action de Paris ne peut engager la responsabilité d'un roi et entraîner la guerre contre toute une cité innocente. L'assaut contre Troie n'est point justifié. Ménélas se rend seul coupable de la guerre en attaquant Troie pour un acte commis par un prince. Madame, monsieur le procureur, madame, monsieur le juge, chers jurés, je vous demande de déclarer Paris innocent, de rétablir la vérité, de rétablir la justice. Ma chère consœur, permets-moi de t'adresser la parole tout en regardant l'auditoire. Ma chère et tendre Alexandra, ou devrais-je t'appeler Hélène, tant les écrits qui décrivent sa beauté m'évoquent ta personne. Ou devrais-je utiliser Alexandra, en synonyme de beauté, tant ton sublissime dépasse presque celui des jurés. Ou devrais-je simplement m'adonner à l'exercice si difficile de te répondre, tant ta plaidoirie était d'une force rare, au vu du teint de ta voix qui me servira désormais de berceuse lorsque, avant de dormir, j'irai sur YouTube et t'après procède Hélène et Paris de point plaidoirie d'Alexandra. En bref, merci beaucoup pour ton exposé. Et je t'avoue que j'aurais adoré de répondre, si seulement j'avais compris ce que tu as dit. Tu justifies l'acte de Paris par l'amour. Ah, l'amour. Ces six beaux mots m'ont fait rêver. Si seulement une femme pouvait proférer de telles paroles à mon égard. Je suis d'ailleurs très content de faire cette guerre avec toi, après laquelle vient toujours la paix. Alors oui, je te l'accorde, Paris a connu l'amour. Il était amoureux, mais pas d'Hélène, ni d'une autre femme d'ailleurs. Cet homme ne connaît l'amour que du sexe, de l'érotisme et de son propre orgueil. Il en a bravé des femmes, par là-bas, par ici, à croire qu'on devrait l'appeler Paris-Sida. Tu poses aussi la faute sur Ménélas. Comme c'est facile. En d'autres termes, tu estimes que ce serait de sa faute s'il a subi ses peines et ses douleurs. Cet argument me fait beaucoup penser à ceux qui disent « c'est de sa faute si elle s'est fait violer, elle avait une jupe trop courte ». En bref, tu sors de jolis mots, mais tu as tort sur toute la ligne. Malgré ça, plus qu'un plaisir de te répondre, c'était un honneur. Sur ces mots, à bientôt. Je remercie mon cher confrère pour cette réplique tout en finesse, tout en harmonie et en poésie. Je vais revenir sur une chose qui m'a bien fait rire quand même. Le Ménélas, Marif, bon et fidèle. Laisse-moi rigoler doucement. Je tiens à rappeler la chose suivante. C'est Tindare, le père d'Hélène, qui a choisi pour sa fille bien-aimée, comme époux, Ménélas. Et oui, déjà, ce n'était pas le choix propre d'Hélène de se marier avec Ménélas. Déjà d'une part. Ensuite, le père Tindare, plutôt tourné vers la richesse, a choisi aussi Ménélas pour cette raison, pour ses richesses. Je dirais qu'Hélène, si elle était si amoureuse que ça de Ménélas, si Ménélas était si fidèle, si bon, dans ce cas-là, pourquoi n'est-elle pas restée avec Ménélas? Elle a toujours le choix de ne pas suivre Paris. Je rappelle qu'Hélène est une demi-déesse, son père étant un dieu. Sa beauté ne peut être que supérieure à la beauté humaine. Et je dirais aussi qu'ici, les dieux n'ont pas influencé Hélène dans son amour pour Paris. Je dirais que malgré la promesse divine, il y a la magie de l'amour.
L'amour qui domine. L'amour ne s'explique pas, Dieu ou pas Dieu. Et c'est tout ce que je dirais.